Et lui à tous et à toutes, hein, c'est Bestie, et comme vous le voyez, on se retrouve donc pour la suite de la frappe de luxe de Knack sur PS4, c'est parti. Donc nous sommes dans le chapitre 2-3, je sais pas ce quoi est d'inattendu. Ces roches sont particulièrement glissantes. J'ai même plus vu le titre, donc c'est pour vous dire. Donc bah, on continue hein, notre petite aventure. Alors ce chapitre ne va pas être très long non plus, hein, comme les autres. Esquive et tiens dans ta gueule, voilà. Ouais, donc je disais, il va pas être très long, il n'y a qu'un trésor à récupérer. Hop, ça c'est fait. Voilà, on désactive les petits pièges. Hop, esquive et tiens dans ta gueule, voilà. Donc bon, je suis un peu malade, hein, ça se ressent dans ma voix, veuillez m'en excuser. Attaque rapide, appuyez sur 1 en esquivant pour réaliser une attaque rapide, d'accord. Ok. C'est sympathique. Donc voilà, on a des nouveaux ennemis hein, au fur et à mesure à laquelle on va avancer dans le jeu. Donc là, des gobelins qui jettent des cristaux explosifs, et oui, ça existe. Voilà, et puis après, bah, vous verrez différents ennemis. Bah, vous voyez que je deviens encore plus puissant à chaque fois. Hein. Hop, le docteur qui me suit. Hop, voilà, ça c'est fait. Oui, alors là, il n'y a que des... relique. Ouais, c'est très facile pour le moment. Il n'y a pas de grande difficulté. Ok, donc là on attend. Alors faut faire attention parce que les archers comme ça, ils peuvent vous mettre des coups au corps à corps aussi avec leurs arcs. Hein. Donc faites bien attention à ça. Ah voilà, alors là, on va avoir une série de... C'est bloqué. On va devoir revenir en arrière. Ok, donc là on a des robots qui veulent nous faire du mal, alors qu'ils sont censés être avec nous. Hein. De toute façon, vous allez comprendre pourquoi ils veulent nous faire ça. Voilà. De toute façon, vous pouvez les attendre, hein, ils sont super simples à battre. Voilà. Et notre petit ami Victor qui se pointe. J'ai entendu du bruit par ici. Tout le monde va bien. Vos robots nous ont attaqués. Vraiment? Ils ont dû vous prendre pour des gobelins. Je suis désolé. Je vais revoir leurs paramètres. C'est bah, bien sûr. Victor. J'en ai profité pour récupérer des reliques. Et je n'en suis pas si mécontent au bout du compte. Il y a un courant d'air par là-bas. On devrait aller voir. Ouah, n'a coup de pression. Et l'autre il ferme sa gueule. Donc ouais hop. Donc c'était pas forcément une coïncidence. De s'aventurer dans une mine sans renfort. Qui sait ce que l'on peut rencontrer? Des gobelins, des gardiens. Les plus fabuleux trésors ne s'acquièrent pas sans risque. Oh, le robot s'est fait maltraiter. Alors les robots là sont avec nous, hein, donc vous inquiétez pas. J'ai commencé par créer des robots d'extraction. C'est tellement plus simple d'aller chercher. Sauf que j'aime bien, niquer des robots, donc voilà. Ensuite, j'ai conçu des robots de sécurité. Le concept de base est le même, mais les équipements sont quelque peu différents. Allez, repos. Repos mes fesses, ouais. Tenez, bande de trucs de... Voilà.
Hop, donc là on arrive dans un nouvel endroit. Donc hop, petit trésor juste ici. Alors vous voyez que le mur a une texture assez différente. Hop, et une nouvelle pièce. Transformateur. Quand la santé de Nak est basse, brisez des pierres solaires pour libérer des reliques. Donc ça c'est franchement très intéressant. Hop, donc voilà. Donc on a eu le seul trésor du chapitre 2-3. Donc c'est pour vous dire que le chapitre va se terminer dans pas longtemps. On a combien? Ouais, moins de 10 minutes encore une fois. J'essaierai de faire plusieurs vidéos comme j'avais fait avant. Ouais, oula. Hop. Voilà. Je me gratte juste le nez. C'est parti. Donc là, on a des reliques à ne pas oublier. Parce que ça fait toujours du bien d'avoir plus de reliques. Là on a des cristaux. Ok, ils sont tous morts, génial. Waza. Alors là, on a des cristaux aussi. Par là on a rien. Autant les utiliser un petit peu, les pouvoirs spéciaux, hein. Tant qu'on y est. Hop, là, des cristaux aussi. Là, on a du monde. C'est parti. Alors, donc là, voilà, on se régénère en cristaux. Il va y avoir une cinématique, je vous laisse et je vous retrouve après. On y est. C'est le repère des gobelins. Ryder, vous me recevez? 5 sur 5, Doc. On a trouvé un village gobelin, celui qu'on cherchait. Retrouvez-nous à environ 10 km au nord de notre point d'atterrissage. Bien sûr, à plus tard. C'est tout? Il ne sait pas comment franchir la mine. C'est un pro, il arrivera avant nous, même s'il est obligé de grimper au sommet de 5 montagnes. On y est presque, Nak. Je suis prêt. J'ai convoqué le reste de mes troupes. Je vous retrouve devant le village. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas trop sûr, hein. Il m'a l'air assez suspect, ce Victor, quand même, hein. Alors, donc on continue. Alors les musiques de ce jeu, j'en avais parlé, qui étaient vraiment excellentes. Le seul petit bémol, c'est qu'elles sont super répétitives. Ouh, j'ai failli me prendre des flèches. Elles sont super répétitives. Hein, vous voyez, ça part en boucle. Vous l'aurez aussi plusieurs fois dans le jeu. Ah ouais, alors par contre là... Ouh. Nak, tu veux bien remettre en marche cet ascenseur? Mais bien sûr, mon ami. Et voilà, et là je redeviens tout petit, quoi. Oh là là, ça dégoûte. Et je crois que c'est justement ici qu'on va se quitter, juste après en fait là, parce qu'on va arriver dans une nouvelle zone, et donc dans un nouveau chapitre, donc la vidéo fera 10 minutes pareil. Le village gobelin est de l'autre côté de ce lac, au sommet de la falaise. Nous y sommes presque. Hop. Et voilà. Et donc nous arrivons au chapitre 2-4, donc dans une prochaine vidéo. Donc je vais la faire maintenant, hein, un truc à faire, comme ça je vous la mettrai à la suite, comme j'ai fait avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour la suite de Nak. Prenez soin de vous, et à plus tout le monde, ciao ciao.